Pour commencer ce make-up, je vais utiliser cette base de chez NARS que je vais mettre sur ma paupière mobile et ma paupière fixe. Après, je viens prendre cette palette de chez Urban Decay. Je prends ce fard beige que je vais mettre sur l'arcade sourcilière. Après, je viens prendre cette fard marron de chez Sephora que je vais mettre comme fard de transition que je vais poser dans le creux de mon œil. Après, je viens prendre ce violet de la palette Urban Decay que je vais rajouter encore sur le creux de mon œil comme fard de transition. Prendre ce blush de chez MAC que je vais encore rajouter sur le creux de mon œil pour pouvoir avoir des fards assez mélangés, bien nets. C'est pas top ces pinceaux de chez MAC qui laissent des poils. Je cherche juste à créer un dégradé de couleur. Après, quand j'ai fini de mélanger toutes ces couleurs, je viens prendre cette couleur assez chaude de chez Black Op que j'aime beaucoup, que je vais utiliser comme couleur de base sur ma paupière mobile. Pour le pose, il faut faire très attention parce que ça a tendance à se mettre un peu partout. Donc, faire très très attention pour ne pas que ça se... Il est très très pigmenté. Je viens prendre ma palette de chez Essence et je vais choisir cette couleur qui est juste à côté, qui est un peu foncée, pour mettre sur le coin externe de ma paupière avec ce pinceau.
Après, je viens poser mon eyeliner, que je vous ai déjà dit que je l'ai acheté. Il n'y a pas de marque sur cet eyeliner. Après, je viens poser mon mascara et puis je pose mes faux cils, je fais mon teint et puis on se retrouve après pour le blush. J'ai fini ma routine, donc je vais prendre cet eyeliner transparent avec des paillettes pour poser sur mon make-up pour lui donner plus de glam. Donc je vais faire ça comme ça.